tiro pa' ti. Oki, ti, oki, ti, oki, ti. Oma, tiro pa' ti, oma, ti. No quieras de nosotros, no te adúrate. Ah, decime, sí. No quieras de ti. Y en tu alma está a ti. Yo me hice un poco. Ale, quita, 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 quita. Y en tu alma está a ti. Yeah.
C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, que même si je ne l'ai pas compris, j'ai trouvé la paix, je vois la vie. Et maintenant, je sais, je crois, la vie, l'amour, l'espoir. Oh,
Nous lirons aussi, si Dieu le veut, le verset 26.
Nous allons nous asseoir au verset 42 jusqu'au verset 47. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Le Philistin s'arrêta. Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en montagne, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descend du contre. S'il peut me battre, et qu'il me tue, nous vous serons asservis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez asservis et vous nous servirez. Verset 6. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des disciples d'Israël? Toute œuvre en son secret. Mais là, on est que tu m'as dit, comme tu veux que Dieu te paie. Je n'ai fait que lui, frère. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. J'aimerais te rappeler que tu es l'armée du Dieu vivant. Amen. Tu te crois seul, mais tu es l'armée du Dieu vivant. Très rapidement, avant que nous puissions nous asseoir, au verset 42. Le Philistin s'arrêta. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on méprise? Il est en train de te mépriser juste par les regards. Au sein de l'autre côté, mais mépris déjà. Tu n'as absolument rien fait, on te méprise. Ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure, le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après avoir monté, parce que c'est Dieu, le Philistin a oublié que la malédiction sans cause, j'ai prié que le Seigneur fasse que l'ennemi fasse des erreurs dans cette culture. Et il ajouta: viens vers moi. Et j'ai donné ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, désarmé du Dieu de l'armée d'Israël. On tient là, on te méprise pour rien. Exode 2, verset 11, nous descendons. En ce temps-là, Moïse devenu grand s'est rendu auprès de ses frères et fut témoin de leur pénible travail. Dieu est témoin de tes souffrances. Je disais, Dieu est témoin de tes souffrances. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères.
regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il dit à l'Égyptien. Et il cachait dans le sable. Il est sorti le jour. Et voici des Hébreux s'intéressés. Il dit à celui qui avait tort. Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse qui peut. Et dit: certainement la chose est connue. Soyez bénis au nom de Dieu. Je n'aimerais pas être en conflit permanent avec le frère David. J'ai dit psaume 31, verset 5 à 6. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Dieu aussi, ce matin, va te faire sortir. Pourquoi? Car tu es mon protecteur. J'ai aimé mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel et Dieu de vérité. Je voudrais commencer par là. La délivrance. Nous camons déjà ici quand nous allons à nos sommets. C'est là où réside le vrai Dieu. Tu me délivreras. Nous camons la main. Dieu de nous avons la solo. Mais si quand nous allons à nos sommets, nous camons la misère. Là où il n'y a pas le vrai Dieu, aucune délivrance. Nous saluons encore le Seigneur au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises à ton voisin: la malédiction sans cause et sans effet. Il a qu'il m'a fait un petit peu de temps. C'est moi qui te permets de dire. La personne dira, le bel la malédiction sans cause. Il a qu'il m'a fait un petit peu de temps. Et sans. Je pensais que les mamans qui poussent les cris des gens sont venus. La maman de la maman de la maman de la maman. Et les frères, tout ça vous vient acclamer les amis. Et les gens, tout le monde, la maman de la maman. Nous sommes là seulement pour exhorter. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. Ainsi la malédiction sans cause. Mais sans effet. Nous avions dit. Que selon Jean chapitre 5, verset 39, dans ces rouleaux qu'on appelle la Bible, il y a la question de Jésus. C'est que l'imprégné oiseau qui s'échappe, c'est Jésus. L'hirondelle qui s'envole, c'est Jésus. C'est lui chez qui la malédiction est sans effet, c'est Jésus d'abord. Dans ma semaine, nous avions commencé à expliquer. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, on va continuer. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Nous avions d'abord commencé à dire que Jésus réellement c'était l'oiseau. Mais tu ne trouveras pas cet oiseau dans les jardins zoologiques. Oui, frère. Jésus, c'est un soleil qui a des ailes. Or, si c'est un soleil qui a des ailes, c'est que c'est un oiseau. Même dans la géographie, un tel soleil n'existe pas. Et c'est comme ça que nous avons dit. L'écriture de Malachi 4 et 2. Selon la prophétie, ça s'accomplira quand moi et toi serons
sont déjà arrivés. Et vous conquis ce matin, vous avez aussi de nettoyer. Parce que les camarades assurance mon toi. Parce que l'enlèvement, c'est toute assurance qu'a quelqu'un. Est-ce que vous connaissez toi, ma réalité? Non, je sais, je serai en vie. Et tu veux que je te donne un témoin? Ça, l'agneau sont mes témoins de frère. Mais je peux tout monter. Et on marque nous sommes dans l'ombre. T'as là besoin de l'église. Ma cité à ma ombre, quand je vous dis ma ombre, elle tient pour ma rappelle. Je me réjouis quand quelqu'un rentre dans l'ombre. Et marque nous sommes dans l'ombre. C'est t'as dans l'église. N'est-ce pas que Élie devait être enlevé? Oui, puis Élie, c'est lui qui a mis toi. Maintenant, le fils des prophètes pose la question à Élie. Bah, ma sacoline, bah, tout ma Élie. Ah, ma frère, ma sœur, ma fille, ma frère, ma fille, sont arrivés. C'est un Dieu qui a tourné que c'est mal à l'aide devant toi. Oui, mais t'es con, là, on connaît ton annonceur, là. Oui, je le sais. Oui, oui, mais Élie, c'est vrai. Pour faire la suite. Donc, mon mari, on est dans un tantôt plus doté. Il s'agit d'être enlevé. Tout le monde est dans un tantôt. On doit savoir si on sera enlevé. Est-ce que tu peux faire ça? Ok, ne comprends pas. Alors, vous avez dit que cette écriture s'accomplira dans la prophétie après notre enlèvement. Mais le bâti, il est connu, il est au coquille, ça va les s'accoyer, dans ce bâti, il est au coquille. Aujourd'hui, dans l'église, quand c'est l'élan de Télésia, Jésus-Christ est aussi un soleil. Jésus-Christ, il a fait un mot. Par l'enseignement, il nous éclaire. N'est-ce pas que David avait dit ta parole est une lampe à mes pieds? Oui, t'es David, le bâti est. Il va aller dans le monde. J'aimerais ajouter à ce que les frères Pichou avaient dit. Il ne faut pas avoir l'habitude de fuir les cultes. Parce que c'est les cultes qui nous donnent la bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est quand on vient au culte que le Seigneur nous donne sa lampe qui est la parole. Partout nous marcherons, nous serons éclairés, nous allons éclairer. C'est pourquoi j'anticipe de tenir ta semaine au nom de Jésus. De bénir ton mois de mai au nom de Jésus. De bénir même la journée de demain pour toi au nom de Jésus. Parce que moi je crois que le jour peut enfanter. Alors que la journée de demain enfante des surprises agréables. Si le toi tu acclames encore le nom de Jésus. Alors remarquez ça. Jésus est un soleil. Mais nous devions aussi savoir. Comment est-ce que Jésus s'échappe? Pour bien penser l'enseignement. Alors dans la semaine on a donné des couleurs. Mais nous croyons que l'habit de Joseph qui signifie l'amour du Père a beaucoup de couleurs. Et ça n'a pas langue. Que le Seigneur bénisse abondamment. Remarquez ceci. Tous les chemins que nous allons prendre, ça sera pour ta bénédiction. Et ça le Seigneur te bénisse. Remarquez. L'éternel Jésus-Christ. C'est quoi Jésus-Christ? Devait venir sur terre. Et c'est quelqu'un qui aille à ma belle. Porter la malédiction qui était la nôtre. Ah mais ma bina qui est ma belle, c'est la qui est bisso. Et à la croix mourir. Ben et pour l'eau sera couvert. Même à la semaine, nous avions dit. Dans une pause, et comme un oiseau, le filet qu'on avait jeté sur Jésus, c'était le filet de la mort. C'est l'psaume 18, verset 6. Comment 1 Samuel 22, verset 6. Le filet de la mort. Je vais prendre cette lecture-là. Les lieux du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. C'est comme ça que nous avions dit dans la semaine. C'est toi et les ennemis qui doivent être surpris. Yo! Namanguna, mais Dieu n'est jamais surpris par les événements. Alors, mais j'ai te donné l'exemple de ça maintenant. Quand il vient chez Abraham. Non, quand Dieu vient chez Abraham. D'ailleurs, là-bas aussi, il y a le soleil, n'est-ce pas? Remarquez, on dit qu'ils sont à trois, mais c'est un seul qui parle. C'est ma frère, maman, ils sont à trois.
elle va parler. Mais la prophétie va aller nous prophétiser. Et tout de suite, la prophétie va s'accomplir. Parce que ce qui a lié n'est pas Abraham, il fait ce qu'à moi. C'est ça l'église aujourd'hui qui a les fils et qui a la vie. Il y a quoi qui est à l'église à moi et à mon père. Après, les bénis iront chez l'autre pour faire sortir l'autre. Si ma mère m'a dit qu'il n'est pas l'autre, il peut vivre sa l'autre. C'est ça aussi, les bénis qui iront sauver Israël. C'est pour lui. Parce que ma mère, c'est qu'il va qu'il n'est pas 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 qu'il Non, il n'a pas oublié. Mais quand il y a Dieu, là où Dieu est, c'est là où il y a les miracles. Il y a des miracles. Il faut que je un miracle. Si quelqu'un combat, il faut qu'on vérifie le Père d'Abraham. On va bien vérifier. Parce que c'est dans le sang de Lazare. Parce que là où est Dieu, il reste toujours le miracle. Il fallait que les filets puissent l'attraper aussi. Mais c'est là du peu mon yamba et quand il y a attention. Au respect de l'écriture, il doit s'échapper. Et c'est bien qui m'a amour. Ça y est, les au nom de Jésus. Au pas moi la main à comprendre. Maintenant, il nous faut savoir. Et c'est l'ennemi sautoyé. Qu'est-ce qui fait que Jésus, lui, il s'est arrêté. Oui, c'est porter la malédiction. Amen, ma bila, qui m'a bé. Je ne veux pas aller par les chemins de tous les temps. Je vais emprunter un autre chemin. Savez-vous que dans le jardin d'Éden, l'Éternel avait aussi établi un sacrificateur. C'est sacrificateur-là, c'était Adam. Parce qu'il servait Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Vous êtes ensemble avec moi? C'est sacrificateur, c'était Adam. On remarque, frère. Selon les victimes. J'étais dit que je vais aller par un autre chemin. Mais ça sera ta bénédiction. Et ça n'est pas bon. Selon le Lévitique 8, le verset 7. Quand on compte les vêtements du sacrificateur d'Yakrédit, on compte aussi la ceinture. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que Adam obéissait à la loi de Dieu. Adam avait la ceinture. Adam a zara kina mukama. Que le Seigneur vous bénisse. Adam avait sa ceinture. Adam a zara kina mukama na. Je sais pourquoi je parle de ça. Na ebi tina na zolo bila ngo. Il avait sa ceinture. Zara kina mukama na. Mais le jour où il désobéit à la loi de Dieu. Mukolo o ya zo buka mube kwanza. C'est le jour où Adam perd sa ceinture. Ne mukolo o Adam a zo bungi sa. Maintenant pour mieux comprendre ça. Allez chez le frère Samuel. Et Samuel chapitre 2, le verset 4. Mon corps se mouille au compagnie balé. C'est dans cette écriture-là. Les faibles ont pour force la ceinture. Mon kaba. Les faibles ont pour force la ceinture. C'est en réalité tel que tu es là. Tu n'es pas fort.
Mais ta force, c'est la ceinture. Or, la ceinture, t'as pas fait Dieu-même. Et Dieu soit ta ceinture. Dieu soit ta ceinture. Or, si la ceinture, c'est un vêtement du sanctificateur, c'était par la désobéissance. Adam avait perdu la ceinture. Nous confirmons que Adam avait perdu le vêtement. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu soit ta ceinture. Je te déclare au nom de Jésus. Car où tu vas passer, que le Seigneur lui-même soit ta ceinture. Maintenant, quand tu perds la force, qui est la ceinture, il devient faible. C'est ça en réalité. Frappé par les Égyptiens. Parce qu'on n'a pas dit que l'Hébreu combattait avec l'Égyptien. On a dit l'Égyptien frappait l'Hébreu. On lui frappe parce qu'il est faible. Il manque la ceinture. C'est pourquoi ma prière ce matin. On déprive tout. Mais quand on était privé par la ceinture, j'allais seulement dire, quand on était privé tout, mais quand on était privé par la parole, quand on était privé par l'enseignement, sans l'agneau, ça va se voir dans un bébé. Sans privé de tout, hormis Dieu. On nous a mis là la bagasse même. Parce que c'est Dieu mon plus fort. On m'a dit, mon toi, ça n'a pas de vous voyez celui qui a Dieu. À ton moulin, mais qui ont un mama. Même si il sait de ses mots. Quand vous faites un exercice physique. Des fois, il s'exerce. C'est là qu'il y a un côté de mon compagne qui a sa bagasse. Quand il va se relever, tu comprendras qu'il a Dieu. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Quand tu gardes l'enseignement. Ne faut pas que l'on ait ici. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es fort devant tout tes mots. Et le Seigneur vous bénisse du chemin. Maintenant, quand l'Éternel, il voit que l'homme est faible. Abraham, j'étais déjà appelé. Quand l'Éternel voit que l'homme est faible, l'Éternel vient. Il vient comme fils. Soyez bénis. Je laisse sans embouteillage la parole à Abraham. Je ne veux pas aller en conflit avec lui. Remarquez que selon psaume 144, le verset 14, être stérile, c'est être captif. C'est que le frère Abraham et sa femme Sarah il dit qu'on va aller quoi, voilà, maintenant ils n'ont pas d'enfants. Ils étaient comparables à ceux qui sont dans la prison. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, avoir le fils, c'est avoir la liberté. J'allais aussi dire dans l'instruction. Mais partout où il n'y a pas la bonne parole, ils sont dans des prisons. Mais toi, tu es aidé. Parce que tu es libre. Pour être aux enfants, soit moi aussi la préparation. J'aimerais utiliser la langue de chez nous. Mais il y a côté la quand Moïse tue l'Égyptien, c'est là restera un secret pour tout le monde. Et on dit qu'elle est un combat, c'est ma bonne opinion. Mais pas pour les épreuves. Parce que pour la rébelle, au thème. Mais si tu veux connaître. Sans que l'union y ait pas. Qui a tué l'Égyptien? Non, mais comment tu vois ça? Comment ça s'est passé? Cette révélation là, c'est chez les épreuves. Et c'est pas un toi tu connais ça. Yo, il est bien beau. Pas tu es aimé. Y a beaucoup de choses à vous dire. J'ai servi les gens. Il ne dira pas à Simon. Alors, mais il n'est pas Simon. Dans Matthieu chapitre 16. Matthieu, tu es aimé parce que tu as conçu des boutiques. Mais il lui a dit. Quand ça le met à dire. Tu es aimé. Osa vous te sens. Parce que c'est lui la chair. Voyez des uns autres. Ni les saints. Mais qui n'a plus d'en révéler ceci. Voyez, coupez le lion à c'est que la révélation rend libre. Il dit qu'on va refouler ma mère. On dit qu'on a la vie. Voilà, bonne prédiction. Et Kango Laka. Amen. Yango le Sambo Nanez au Kangouama. Pourquoi ma prière que tu sois offensif. Que le Seigneur te soit favorable. Je disais que le Seigneur te soit favorable. Mais là, remarquez ceci. En réalité, il vient
au secours du faible. J'ai parlé d'Abraham et Sarah. Quand il vient, vous penserez qu'il vient donner quelque chose qui n'a jamais existé. Non, frère. Toutes les choses que tu peux chercher sont en Dieu. Tu vois tout ce que tu cherches là, c'est en Dieu, c'est dans l'enseignement. Remarquez, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il vient chez Abraham, il ne dit pas à sa femme l'année prochaine toi Abraham tu donneras un fils à Sarah, mais il dit à Abraham et à Sarah l'année prochaine moi l'Éternel je vais t'aider. C'est comme ça que nous avions dit. Si tu cherches comment est-ce que l'Éternel est devenu, c'est par Isaac. C'est pourquoi je vais le dire à quelqu'un. D'abord, la Zana Yoso. Marche moins que tout. Mais vous allez embêter. Ils ne sont pas privés de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ils sont privés de tout. Mais vous allez embêter. Ils ne sont pas privés. Vous allez embêter les karma monnaie, les frères. Ils ne sont pas privés de Dieu, c'est tout un monde. Marcher tout en étant éloigné de Dieu, c'est tout un problème. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Je disais que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Alors remarquez qu'est-ce qui se passe. En réalité, il vient, il quitte le palais. Qui Moïse? Non, Moïse. Oh, mais c'est simple, frère. Dans les Écritures, le palais, c'est le ciel. N'avez-vous pas lu? Mais dans son palais, tout s'écrit gloire. Or, dans la prière que Jésus montre à ses disciples, il dit notre Père qui est au ciel. C'est de la maison de Dieu. Le palais de Dieu. C'est le ciel. Je vais le dire à quelqu'un. Le secours que tu recherches ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça viendra de Dieu. Et mon prière ce matin, que ton Moïse descende pour ton problème. Que ton Moïse vienne d'un vol rapide pour te secourir. Amen. Qu'il vient de vol rapide. Qu'est-ce qui se passe, frère? Cette scène d'Exode chapitre 2, elle est encore répétée. Et dans 1 Samuel chapitre 17. Là-bas, l'hébreu qu'on est en train de frapper. C'est rien d'autre qu'Israël. On le frappe aussi par les paroles. Remarquez qu'est-ce qui se passe. Les Philistins s'élèvent. Aujourd'hui, les Philistins qui s'élèvent. Pour toi, ça peut être la stérilité. Ça peut être l'instabilité financière. C'est un Philistin qui s'élève. Pourquoi il s'élève? Parce qu'il a remarqué que tu es sans ceinture. Mais il a oublié que l'Égyptien ne frappera pas très longtemps l'hébreu. Son frère Moïse viendra toujours. Oui, son frère Moïse viendra toujours. Que le Seigneur bénisse. Le frère Israël. Là-bas, l'Exode, c'est lui le bleu. Goliath s'élève. Goliath est tellement élancé. C'est comme ça que moi je crois que Goliath qui est élancé, c'est toute une statue aussi. Il veut qu'il te fasse souffrir que tu puisses l'adorer. Il ne veut qu'adorer ta souffrance. Adorer ta maladie. N'adore jamais la maladie. Et ça est très beau. C'est vraiment une statue. Même si tu le vois élevé. Attention au monnier. N'adore pas ça. Au goût de mes amours. Oh, vraiment, je manque d'argent, moi. N'adore pas ça. Au goût de mes amours. Il était tellement élevé. Il y a tellement qui pèse.
Mais il a oublié que quand on maudit l'armée de Dieu, les secours ne viennent pas de la terre. Les secours viennent du ciel. Pourquoi les secours viennent du ciel? Parce que la malédiction de Goliath, c'est un filet qui tend sur la terre. Et les hommes ont mis un poids quand même. J'aimerais dire à quelqu'un, mais Dieu connaît bien les stratégies de l'ennemi. Les sauveurs d'Israël, dans 1 Samuel 17, il n'était pas venu du camp. Et où camp il n'était pas venu dans ces camps-là. C'est-à-dire là où il y avait les Israélites. Il n'était pas venu de là. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est Adam et toute l'humanité. Enfermé dans la souffrance. En train d'être maudit. En train de souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre. Mais l'Écriture dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il abandonnait la voix du Tout-Puissant. Celui qui avait abandonné la voix, c'était le Père Adam. Et heureusement qu'il avait l'ami. Ah Jésus. Ah Jésus. Pourquoi tu viens répéter cette scène avec Lazare? Ce n'est pas en vain. Mais Jésus doit être l'ami de Lazare. Parce qu'il sait qu'il y aura la souffrance qui va arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, si les choses ne marchent pas, tu as un ami. Tu as un ami chez qui compter. Moninga ne va pas mettre à l'histoire, mais pas vous soutenir. Et ton Dieu ne reste pas calme. J'aimerais dire à quelqu'un que ton Dieu ne reste pas calme. Est-ce que quelqu'un croit cela? Il ne reste pas calme. Remarquez ce qui se passe. David confirme vraiment que là-bas il est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il pose la question. Mais qu'est-ce qu'on va donner à cette personne? Et pas au tour, il va écouler cette miraille. Ah bon, quoi il s'en a comme on a eu? Tu y es, c'est impossible. C'est comme ça que je te dis que tout travail mérite un salaire. L'Écriture dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand Dieu est venu le chercher, qu'il te paye, frère. Il te paye cash au nom de Jésus. Il pose encore la question. Mais qui est ce Philistin? Qui est en train d'insulter l'armée des cieux? C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse. Il peut avoir un domicile que les gens connaissent. Mais ta vie est cachée en Christ. Dans des célestes. Voilà pourquoi Israël est sur la terre. Mais quand le Philistin est en train de lui injurier, David lui dira, pourquoi tu incites l'armée des cieux? T'as des mères, c'est le ciel. Au ciel, il n'y a pas la malédiction. Mais pourquoi pas cela? Je pas de notre témoin. Vous êtes bénis de toutes sortes de malédictions. Où? On tient le terme de la Bible, non? Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions où? Dans les lieux célestes en Jésus. C'était au ciel, frère. Il n'y a pas la bénédiction. Il a été mappé, zappé. Il suffit que Dieu te prenne. Il cache ta vie au ciel. Mon monde a salé ma plainte. Qu'il complote. Alouka a changé sous ma stratégie. Il cherche à changer de stratégie au ciel. Mais attention, s'il veut toucher à ton corps, ta vie viendra vite. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Ta vie viendra vite. Ça, il t'a rien pas.
Mais David, c'est Jésus. David, c'est Jésus. Remarquez qu'est-ce qui se passe. Botan la vie, désolé, pas. Quand il parle comme ça, tant, moi, zolo, babo, eh? Son frère l'aîné. Il est dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Nous connaissons ton orgueil. Ce n'est pas un orgueil. Je me retire que ton autre sur Dieu. Cela ne passe le nid. Moi, Dieu est capable de confesser victoire avant de tourner. Maintenant, Dieu est capable de confesser la victoire avant le bataille. As-tu pas lu dans les écrits? Que chaque abeille n'est pas. Que chaque abeille n'est pas. Que chaque abeille n'est pas. Avant qu'il n'y ait pas. Avant qu'il soit tiré de la force. Elle dit oh roi. Oh roi. Notre Dieu. Femme la mission. Est capable. Ah ma coquille. Qu'elle nous délivre de cette fournaise. Et de ta main. Je donne de ma campagne. Puisse commencer à confesser la victoire. Avant même de la guerre. Avant même les problèmes, tu confesses que je suis victorieux. Tu confesses que j'habite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de stérile. Au ciel, il n'y a pas de célibat. Au ciel, il n'y a pas de ceci, cela. J'aimerais que quelqu'un confesse que je suis victorieux. Oh, moi, notre Dieu est capable. Aime les gens qui ont la foi. Notre Dieu est capable. De nous délivrer de ta main. Et de nous délivrer de cette fournaise. Mais il voulait dire quoi? Que notre Dieu. C'est un grand oiseau. Il nous a déjà appris à voler. Il viendra et il nous fera échapper de ses filets. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi David. Confessez déjà cette victoire là. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais il doit accomplir une écriture. C'est pourquoi on dit souvent Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus sait très bien que ce n'est qu'un roi qui peut combattre pour Israël. Selon 1 Samuel 8, le verset 20, le roi sera à la tête de vos guerres. Oh, David, quand il vient, il n'était pas encore roi. Maintenant, il va chez Saul. À qui est pas Saul? Le Seigneur vous bénisse. Quand il va chez Saul, il relate à Saul ce qu'il a fait. Abetin Saul est sur le bon côté. Je vais dire à quelqu'un. Y a beaucoup une énorme de la bon. Mon cœur. Mais ça va la bande de poils au sambo sur Salanza. Mais ça va la bande de poils à ta chaîne sur Salanza. Parce que moi, mon canon a ma canon d'avis à Salanza. C'est là qu'on parle de ce David en pays. Il s'agit qu'il m'a mis l'œil spirituel dans le sambo. Donc il s'agit à moi dans ma chaîne. Parce que mon doigt sang de la ramille. Mon doigt chaîne dans ta ligne. L'immonceau la Goliath et Goliath a résisté à elle. Goliath, Goliath, Goliath. Résiste le sambo. Amen. Amen. Priez, tu vas le faire. N'en parle même pas. Ignore les gens. Que le Seigneur nous fasse grâce. Si le Seigneur le permet. Ce qui compte préciser. Déjà c'est jeudi, nous serons encore en prière ici. L'économie est tombée sur le sambo. Jeudi jusqu'au dimanche matin, à 5. Si tu veux, tu viens. Nous allons passer des très bons moments. Que le Seigneur te bénisse. Il faut aimer la prière. Il y a des choses que David a fait que personne ne savait. Il l'a fait dans la bouche. Mais ça n'a pas été en secret. Habitue-toi, tu rencontres. Souvent dans les secrets. Je vais dire quelque chose à Frédéric. Je vais dire que 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 je v
Il utilise les gens comme une mission. Mais je ne mange pas de ton déplacement depuis l'Afrique du Sud jusqu'ici. Au milieu de cette terre, quand on a un peu d'Afrique du Sud qui me rend. Ça m'a été fait, ils sont pas. Je peux dire ça. Ah, mais comment ça, donc, quand on a fait, c'est mon amour, ça reste. C'est vrai, c'est juste l'Assemblée de l'Islam. C'est tout. Dieu me dit de dire ça. Il utilise fortement les gens quand il les isole. C'est pas le récit que j'ai entouré par les forces de votre transport. Dieu peut te retirer seul avec lui, tu es encore. Dieu me donne l'exemple de Jacob. Jacob demeura seul. Jacob a donc pas d'aimant. Jacob, quand le Seigneur a compatible avec Jacob. En réalité. Et du vrai. Il lui a donné le nom d'Israël. Dieu le dit, il le dit. Sana est dans un pays à ma vallée, dans ma montagne. Sana est un pays de vallée de montagnes. Dieu pense que les gens sont ici pour se réveiller. Il y a un même sur. Connaissez-vous comment le Seigneur les a fait qu'à ça les rêves. Ce point qu'il a commis une erreur. Je sais très bien que l'Afrique du Sud est très développée plus que la Suisse. C'est une mission. Mais pas mal de solutions ici pour que tu relances encore. Bonjour, sur la bombe, on est dans la bombe. Et les filles nous n'aiment. C'est tellement gigantesque. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de gloire en fait pour la bombe de ce Maroco? Mais la bombe, c'est super. Mais on a réalité à toi, c'est ça la prédication, on te parle des autres. Est-ce que tu peux faire ça? Ok, on ne peut pas. Mais ceux qui frères vont envoyer les sous. Si ce bien-aimé voyage encore. En direction, il y a des robes bon cas moi. Jacques me trompe, ne soyez pas étonné. C'est tellement costaud. Je lui dis, le fils vient, le fils. Quand Dieu dit de bénir le parti, la vie tout ça. Dieu dit, la seule maouban. Le seul pour se marier. Mais il n'a pas envie de régaler. Comme l'oiseau s'échappe. Malheur à toi, tu as des stocks de critiques. Des poils à ma confie. Des stocks de confie. Alors que nous sommes au bomba, ma gêne, ma prière. Pourtant, nous nous cachons des gens de prière. Au bomba, ma tunanité, ma. Quand tu déposes des gens dans ton cœur. Mon doigt, bon, à quoi il s'est raccolé à tité. A un tel homme ne renverse jamais Goliath. A ton zombie, nous va monter, il est calme, il est canane. Même si tu ne dis pas, ça peut me jurer, c'est la bonne. Le pardon ne pas. Le ciel est fermé. 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 Le ci
Jésus. Yes. On lui fait le mal. Ça va bien. Mais la première phrase. Il est mal nous. Père, pardonne-le. Mais David avait dit David de pourtant l'aime. Son nom est aussi mal dans toi.
Mais quand tu savais que son objectif n'était pas le combat contre Goliath. Mais c'était le combat contre Goliath. Oh, bien-aimé de l'Assemblée des Saints de ma campagne. Oh, ma ligne, le sang de l'Assemblée des Saints de ma campagne. N'oublions pas notre cible. Donc, ça s'appelle l'homme de notre cible, c'est le diable. Oh, l'homme de son mari. Montez, colline, abonnez-la, non, montez, terre. C'est vraiment un fardeau. Je ne comprends pas pourquoi ça manque à rien. Je ne sais pourquoi Dieu ne veut pas. C'est vraiment une charge. Et ça, la sœur, nous sommes allés à la sœur de l'Olympique. Et l'autre sœur qui ne sent pas par le dégoût de ma vie. Et puis, quand ma mère s'est pas à la paix. Oh, par ma chance, elle est déjà mariée. Oh, Dieu, puis c'est la famille. C'est vraiment fatigué. Ils sont venus à la mission. Alors, on demande que tu supplies. Et la poussée, ma bénédiction. Apprends-moi, pardon. Attends, on doit saluer, ma bénédiction. Même si quelqu'un qui t'a offensé. Ce qui a été dit, c'est que l'on a fait voler la loi. Si c'est pas. Oh, c'est le conseiller, mon lundi. Pardon, oui, demande pardon. Il y a mis ça, n'a saigné, mon lundi. J'ai lu, je t'ai dit. Non, non, ça va être non, ma bénédiction. Toi qui m'as offensé. Mais là, il y a une bizarre. Et que tu te pardonnes. Amen. 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 Ministre et la disciple. Amen. Disciple et la ministre. Disciple et la ministre. Pour la ministre. Tu as besoin de prospérer.
Amen. Apprends à ouvrir ton cœur. Apprends à ouvrir ton cœur. La maison que des dons spirituels se déversent en toi. Apprends à aimer ton prochain. Comment tu peux faire 3 mois sans ton temps? Donc là, on va finir au télé. Tu dors, belle-mère. Hier, on a remis ma face. Après, on a remis ton voisin. Ton prochain. Quand on a dit qu'il y a voisin, il y a eu histoire. Quand ton voisin, c'était bien. Parce qu'il est bien dans ton monde. Oh, bien dans la tchaka où tu voyages. Oh, bien dans ton voisin. On a pas perdu si on peut voyager. Est-ce que t'as perdu de voyager? L'ouverture du cœur, c'est l'ouverture du ciel. Je me suis monté dans un véhicule avec un son racima. Lui devant, je derrière. Moi, tu vas le voir là-haut, on va apprécier. Donc, il y a le docteur Malin. La matinée, vous vous cafez bien, merci de venir dans la racima. Je suis dans la voiture, mais bien, ne serait pas que je suis en matin. Mais voici maï, voici la zimaï. On va s'en prendre de l'eau. Parce que Amélie par mégarde de l'outil sur Paris la nage, la prévention même soir. Oui, c'est sans chez la mais faut moi là. Je veux dire. Il faut donc pas passer la maman partout. Il est temps de faire quoi le force. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? On dit mais on est à Karama la filée Kala. Oui, mais vraiment, il est frappé dans le filet à longtemps. En criant là. Mon sang la sola la hypocrite. On ne sait pas. Son comment il ne vous la mappe pour la logique. Si tu veux que tu te le mal, on tape tes mains. En criant là-bas. Mais il se sert du mal du chalot. Je lui dis, ma soeur, quel chalot. Mais c'est que tu es au salut, chalot. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Yo, il n'a pas mon été shalom. Quand tu revois le pays, il n'a pas mon été shalom. Je ne veux pas que ma mère pardon. Shalom. Il y a la fille shalom et il y a la paix. Je t'ai donné le sang shalom. C'est Wana Poma troublé. Cette scène est vraiment troublée. Bato, tout n'a pas de service, mais comment les gars ont passé. Que les gens m'ont écrit dans le bis, ont compris que c'est son problème. Je ne sais pas ça problème. Je ne suis pas ça aujourd'hui. Je marche avec le fils qui est dans l'enseignement. Je ne sais pas si je suis dans l'enseignement. Si on balance tes lots de route à ton père, on saura si tu es qui. On n'a pas mon émission. Apprends pardonner ton voisin. David a compris qu'il ne pouvait pas perdre le temps avec Elia. Non. David a souffert avec un groupe, c'est un moment d'Elia avec Tété. Oh Dieu, oh Dieu! Nous avons parlé en ligne. Ce qui m'a dit de la salle à côté, nous avons répété pour elle. Si je sais, je ne suis pas. Pourquoi répéterai-je? On ne sait pas mon ami. Il va chez Saoul. Quand il va chez Saoul, il doit accomplir l'enseignement de Samuel 8:20. C'est bien qu'on dit ça, il a qui s'y a manqué à Samuel. Quand il explique à Saoul ce qu'il a fait dans le passé, Frédéric. Père, moi, j'ai dit, ça s'est dit, directement, Saoul lui donne la vie.
Et la main de mon oration, il est ça. Le vêtement enlève le propre dessus. Quand on a baissé la main, quand on lui a donné le vêtement, il faut pédoter dans l'évangile éternel. On doit rester dans l'évangile éternel. La minute où on a la vie d'un demi roi. En ce moment, instant de vie de faire roi. Automatiquement, il peut combattre contre Goliath. Allez, Seigneur, contre la Goliath. En d'autres termes, autrement dit, cette scène-là, c'est Philippe chapitre 8. Les tambours, les ont Philippe Palais. Il était en forme de Dieu. Il y a qui me lève en terre. C'est ça les lois. Comment qui a dit oh, ça mais à côté au temps, on a l'angoisse. Oui, mais que je marche. Fallons la yango. Déshabiller. À qui nous l'a dit. En partir. C'est ça le but, non? Il est mon corps qui devient le tout petit. J'aimerais dire à quelqu'un. J'ai Bethléem et petite dans les villes. Le télévision mouké, quand c'est le mot. Aux autres mots, la mouké, mais pas nous avons à mouké. Comment petit devant Dieu, pourquoi petit? Écriture, mon mot, il y a Esaïe 31. Il y a une écriture qui se trouve dans Esaïe 31. Précisément au verset 5e. Précisément dans son 5e. Balobakate, l'Égyptien n'est pas Dieu, c'est un homme. On dit, Moïse, puis toi, on a pété un mot. L'Égyptien, quand il est bien pété, hébreu, il y a la rame. Je vois même si l'Égyptien, c'est un pour tabasser les bruits, il n'est pas Dieu. Exode 7:1 nous dit Moïse c'est Dieu. Donc David qui fait Goliath c'est lui Dieu. Vous avez la secoue dans ton âme. Tu ne t'as pas sauté sans salade et d'amour. Tu seras famille qui est sauté sans patience et d'amour. 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 Sauté lève-toi, nous allons prier. Que le mort, que Dieu s'enlève. L'Égyptien n'est pas Dieu, c'est un homme. Zubito, à Zantan, de paix à la mort. Nani Pessinao, Corona, Marissu. Misali, Sinabai, Eko, Tebaïnao. Misona, Magnoso. Écoute à la CEO, et sous mon batterie, la paix si la vie, thank you.
ensemble dans nos âmes. Je vais prier Dieu. La seule qui est en train de me dire. Je vais dire à Dieu. Est-ce qu'il s'est pressé devant de moi? Pardon, les gens qui se sont pris. Pour que je sache. La zone qui m'a débassé, je crois qu'ils m'ont souffert. Mais ma cible ne l'a pas. Mais pas toi, Dieu. Le corps va s'y prendre, le bien. Bon, mais ils n'ont pas souffert. Égyptien, à la canzambé. Égyptien n'est pas Dieu. À ça, le gars, mon temps. Oh, c'est le gars. Viens dans un zambé. C'est toi qui es Dieu. Viens dans mon bébé là-bas. Laisse-moi combattre. Viens ici, Égyptien. 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 Viens ici, la zone qui nous donne sa sangle. La vie de l'homme qui nous donne sa sangle. La vie de l'homme qui nous donne sa sangle. Je veux tout le monde. 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 Je veux tout Oh,